bilan et présentation partielle de l'ensemble du matériel, la police saisie, pendant journée lundi à mardi 25 avril 2023. Gagné 4 fusils d'assaut, 3 pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont 5,56, 7,62 et 12. Gagné plusieurs cartes mémoire, plusieurs chargeurs, radiocommunications, trousseaux de maison, enfin plusieurs, et puis plusieurs autres véhicules. Gagné 3 policiers qui blessaient lors d'une dernière opération d'eau. Gagné 25 libérations du fait, dont 10 à Bago, 9 et Lucie, 6 village Jourda, gagné 3 véhicules qui saisissent. Au niveau quoi des bouquets, gagné un bandit qui relève Dion et la vie ainsi connue, qui malheureusement blessé mortellement, et Olotte qui malheureusement blessé mortellement au niveau bon repos. N'abdi à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée et opération Rio pas campée, opération a continué. Parce que l'objectif, nous, c'est pour nous permettre, population capable d'avoir souffle, capable enfin vaquer librement l'activité. N'a encore une fois sollicité la population pour nous continuer mariage police-population sans violence. En nous été vigilants, yon veille sous l'autre et été veillatif. Dans le quartier, les nouvelles de visage que nous pas quoi, les nouvelles d'activité que qui pas habitué fait, ça doit attirer attention nous et mettez la police au courant. Et si nous avons des mauvais éléments qui viennent empêcher nous vivre tranquillement, population paisible, arrêtez-le, menez dans le commissariat qui est plus proche. Et d'un petit tour à la population, pour y porter tout ça rejoint comme matériel que Bandillo a abandonné sur route pendant que le a couru. Toujours informer la police, quel que soit mouvement, encore une fois, qu'a fait dans le quartier. Parce que nous voyons que la population a subi assez de bandits, de criminels, de monde qui violent les petits et en plus jeunes universitaires et l'autre jeune encore dans le quartier aux victimes, en plus grand monde professionnel victime de bandits. Il est important pour que nous continuions collaboration ça avec PNH là, parce que toujours dit que il y a un partenaire qui est plus important pour nous, bien que en matière de sécurité, il est important pour gagner ensemble de matériel, ensemble de partenaires, mais population sont assez pour nous, il y a un partenaire qui est sûr et nous encore une fois compter sous collaboration. Comme c'est un point de presse spécial, à côté que journalistes, ouais, ensemble de matériel qui saisit pendant 2 jours que nous sommes ici, voilà. Lundi, mardi, 25 avril. On a demandé pour que vous filmez. Entre temps, nous avons fait déjà, dans une conférence que nous avons fait, nous avons présenté nouveau uniforme DRDV. Je vous dis, c'est nouveau uniforme SWAP, qui c'est groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et nous gagnons 4 mannequins, côté que, à travers la caméra, à travers et la presse, population voit loin, nouveau uniforme SWAT. Et nous avons demandé 2 SWAT qui vont côté mieux pour qu'ils descendent et pour qu'ils avancent de manière pour que nous capables d'expliquer uniforme. Merci. Nous avons demandé avec policier SWAT qui, à ma gauche, peut sentir avancer. Plus. Commandant. Ça c'est nouveau uniforme et équipement
soit groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et d'après les trois policiers, soit pour faire un petit bac, et puis on va présenter nos échantillons. Et côté que n'importe quoi, casque tactique, c'est soit ça, n'importe quoi, cagoule, gilet tactique, yo armé de fusil d'assaut, et couleur uniforme dans, c'est vert olive qui avec des olives noires, alors avec des antiquités tactiques noires. Et la demande des policiers à vous que les policiers soient à vous faire pour le produire, pour être donné. Soit. Il y a une unité de la police nationale qui coumet en pile au dernier moment, ça, malgré la situation difficile. Malgré que nous connaissons au niveau logistique et limitations au niveau matériel, mais c'est des policiers qui déterminés, des policiers qui armés de courage pour que nous capables de permettre que la population va librement l'activité et surtout dans la zone que nous connaissons, à savoir toute zone, la boule Thomasin et l'autre zone qui a des problèmes. Yo armé encore le courage, yo te goumen. C'est yon nan unité qui engagé avec l'autre unité yo nan travail ça. Encore une fois, la bande de 4 soit yo pour que yo mette yo au rang de manière pour que nous capables de faire une dernière photo de yo. Merci avec 4 variants pour ce soit pour représentation ça et la pandémie pour que vous capable de aller normalement et taper dans ça. Merci encore. Maintenant, quelques questions s'il vous plaît. Quelques. C'est votre président. Alors, les situations et ça s'est passé. Mais pour le moment, bah, on est commandier pour le compagnon par avoir la forme honnête d'abord. Mais de dire que nous avons toutes les dispositions de manière pour que Blenda retourne dans l'espace-là, moi je crois que c'était 2 véhicules qui étaient endommagés, mais qui étaient différents. Et c'est des policiers qui, dans une zone où nous voyons une zone qui est très difficile, et qui baillent vraiment avec des zones pour dire qu'il y a une tension et quoi là-dedans. Mais c'est des policiers, encore une fois, qui emmènent le courage et avec la population qui est encore campée et qui, justement, a toujours campé. Momentum, non, bébé. Momentum. Alors, vous avez une question quand même? Ça qui explique que la police n'a pas saisi de momentum, population qui est très déterminée pour finir avec la question de banditisme, pour adresser la situation de banditisme, direct de l'autre côté dans le Port-au-Prince qui est bandit Kafiraï. Nous, encore une fois, remercions la population et pour toute détermination et tout signal que vous voyez par la police nationale et par la société en général pour les décamper et pratiquement qu'il y a fait dans le quartier pour que les bandits partent dans les espaces. Nous croyons que c'est un comportement qui mérite pour nous bandits et nous toujours disons qu'à chaque fois que l'on a souffert un bandit, on monde qui empêche de vivre. Va qu'il y ait une activité pour que vous preniez par la police et si ça fait que nous, à l'ECO, nous comprenons la situation, nous comprenons que ça a subi dans le cher, dans l'homme, l'homme de famille, pour que vous kidnappez petit, vous kidnappez mari, madame, et que ça a fait conséquence ça vient sur le plan moral. Et nous comprenons ça, nous comprenons tout l'élèvement de la population, et ça fait que nous demandons pour que ils potent coller avec PNH, qui lui-même et déjà sur le terrain et qui lui-même toute détermination, mais on peut décoller vraiment sans violence. Merci. Jean-Jules Desaugusto pour Radio Métropole. Nous connaissons ça qui a fait actualité aujourd'hui à votre parole, c'est ça passé dans le canapé vert.
expliquer que c'est suite à une alerte sur un véhicule qui était gagné de monde de couleur noire qui paraît bizarre et suite à un test. La police en disposition pour les tests et les véhicules là. Et puis après, nous avons gagné le monde qui est armé, nous avons ensemble de matériel. Et dans le matériel que nous avons là, c'est à savoir toi et les filles, et puis avec chargé, c'est le matériel que nous avons qui est en possession. Et côté que tout de suite, et dans la soirée, qui était en situation de tension dans toute zone des Moussillons, qui continue justement avec zone de Canabé Bellon, vine et crier justement où y ont attention au public là. Et puis, je l'ai dit, au niveau de la police, et Moïseo fait tout ça au capable pour que au capable permettre que, de préférence, que nous arrêtions mon niveau et nous rendions de la justice, mais vu à sa population subit à situation de vivre déjà et à ça que vous demandez dans la soirée dans zone qui continue à l'immédiat, à savoir toujours et zone je crois débutie et qui des bonnes réactions pareilles que nous comprenons c'est au moment de colère et ça fait que nous demandons encore une fois population pour que nos deux préférences aider la police non côté pour nous banon mais pour éviter toute violence, bien que nous comprenons la colère et population hein, à ensemble des actes qu'ils subissent devant Dieu. Donc, question, bien la dernière question, s'il vous plaît. Édouard Frédéric, pour te dans la taille. Comme vous êtes un chauffeur de ça, qui est-ce que le chauffeur de ça se contrôle de la police, qui est une information, et puis les âmes, est-ce qu'il va être avec la police, est-ce qu'il y a une identité des âmes? Pour tous les âmes, vous m'avez dit qui ça appartient? Est-ce qu'il y a des gens qui appartient avec la police? Est-ce qu'il y a vraiment une identité des âmes? Justement, on a pour balistique, justement, pour gagner, pour qu'on ait exactement le type des âmes à eux, pour bien que vous avez marqué, mais gagner de balistique scientifique, justement, pour travailler sur eux. Mais les âmes à eux, quatre fusils d'assaut, c'est ça que nous saisissons hier, dans une zone de BBC, qui côté que Bandino est en possession de eux, et nous, la police, même, qui est très présente et est disposée pour entamer le bataille et avec bien sûr la population hein, et puis avec l'autre ensemble de sacs noyaux que nous saisis pendant deux jours, lundi, mardi, 25 avril 2023. Est-ce que le chauffeur a ici contre le chauffeur de ça? Et il y a encore au niveau commissariat, au niveau d'investigation, et il a quitté le temps pour que les puissants héros, monsieur héros, pour que soient capables d'enquêter plus, puis aux jeunes plus d'éléments. Et voilà, c'est là que nous commençons la vidéo pour aujourd'hui. Hein. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier d'abonner ensemble avec la chaîne là si vous faites ça. Et activer la cloche de notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne là. Et pas oublier de liker la vidéo pour capable toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!